Je m'appelle Jean-Philippe Duc, j'ai 31 ans et je travaille à KWS depuis 9 ans. J'ai commencé l'aventure avec AWS en août 2010 sur un petit contrat saisonnier de 3 semaines sur la récolte des betteraves. Et après, j'ai continué mes études. En septembre 2013, je suis rentré au triage des panouilles de maïs, donc à l'effeuillage. En 2014, j'ai été mis cariste sur une chaîne de traitement et en sachage maïs. Et en 2015, j'ai été titularisé en CDI cariste. Sur la nouvelle saison maïs, en septembre 2015, j'ai été mis chef d'équipe au battage, pré-nettoyage maïs, et en plus chef de poste traitement et ensachage maïs. En 2018, j'ai eu postulé à une offre pour être assistant responsable process. J'ai été pris et depuis, j'occupe cette fonction-là au sein de KWS. Aujourd'hui, ce que je dirais à un potentiel candidat, c'est qu'on est un groupe international, mais sur le site de Buzet, on arrive quand même à garder une gestion proche. On a quand même une gestion sur site humaine. C'est une entreprise qui a évolué très rapidement et c'est vrai qu'il y a toujours un projet qui est sur la table pour améliorer l'outil de production et qui est justement attrayant parce qu'effectivement c'est toujours de la nouveauté. La partie la plus technique, la plus technologique, ça va être la partie traitement en sachage maïs du fait que la partie ensachage, palettisation, filmage, c'est là où on a quand même des machines qui sont le plus robotisées. Le fait que l'entreprise ait souvent des projets, toujours une nouveauté, quelque chose en plus à faire, à gérer. C'est intéressant de se lever tous les matins et de se dire « bon, on ne fait pas la même chose ».